Namaste les divins, les divines, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine, à la semaine du 13, donc avec pas mal de messages pour tout le monde, pas mal de changements hein, au niveau des... Je veux dire là, bon, il y avait une petite période de stagnation et par contre apparemment cette semaine, ça va pas mal bouger, les choses se mettent en place, ce que vous attendez arrive, les bonnes choses évidemment. Donc un horoscope à voir de toute urgence. Sinon, bah, grand merci aux nouveaux et nouvelles abonnés. Hein, ils ont été pas mal. Apparemment, les vidéos vous ont bien plu. Au niveau des vidéos, vous avez toujours de disponible l'énergie de novembre, le mois de novembre complet. Hein, donc, comme c'est des vidéos intemporelles, vous pouvez les regarder à n'importe quel moment. Vous avez aussi les vidéos spéciales femmes. Hein, les vidéos spéciales hommes vont arriver cette semaine, si la semaine prochaine, si tout se passe bien. Donc ça aussi, vous pouvez les visionner sur la chaîne MyDouzaine à tout moment, hein, parce que c'est intemporel. Donc si vous tombez dessus, c'est que ce n'est pas un hasard. Je voulais aussi remercier également Marina, hein, qui m'a envoyé un joli jeu d'oracle de l'astrologie céleste. Donc vous allez le voir en carte d'ambiance générale pour la semaine. Ça m'a fait énormément plaisir, hein, étant donné que bon, c'est une chaîne amateur, si on peut dire ça comme ça. Bon, il y a toujours, bah, n'oubliez pas les likes, partager. Il y a les petits boutons pour ceux qui veulent rejoindre la chaîne d'une autre façon, en tant que de solidaire. Donc c'est 2 €, donc à ce moment-là, vous pouvez me poser des questions, je vous répondrai comme une sorte de petite voyance miniature, si on peut dire ça comme ça. Je souhaite un très bon anniversaire à toutes les scorpionnes et tous les scorpions, hein, qui vont le fêter cette semaine et ce mois-ci. Donc voilà en gros ce qui vous attend pour la semaine prochaine. Ben écoutez, je vous laisse visionner, donc n'oubliez pas d'aller voir vos ascendants, de partager, de liker, c'est pas grand-chose, un petit pouce, mais moi ça me fait plaisir, c'est tout simplement, je sais pas, grand, voilà. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre que j'ai oublié, mais c'est pas grave. Voilà. très bon visionnage et à bientôt. Namasté. Namasté les béliers et les bélières. Donc, pour vous, cette semaine, donc avec ce fameux nouveau jeu hein, de l'astrologie céleste, donc, ambiance générale pour vous, vous avez eu, bon, un soleil en lion, après ça, on ne va pas rentrer dans les détails, vous avez eu joie et réjouissance et succès. Vous voyez, très bonne carte. Donc, ambiance de la semaine. Donc, je pense que pas mal d'entre vous vont avoir de bonnes nouvelles ou des choses qui étaient en attente vont se préciser, vont se mettre en route. Hein. Il y a vraiment ce côté-là où il y a un côté festif. Il y a vraiment... Bon, parfois, il faut pas grand-chose. Hein, comme l'abondance, c'est pas forcément 3 millions au loto. Mais il y a vraiment ce côté de vous mettre en joie, de vous mettre de bonne humeur. C'est vrai que vous soyez toujours de mauvaise humeur. Mais il y a vraiment ce côté de faire une sorte de fête, on va dire. Il y a vraiment, par exemple, un contrat qui va se signer. Vous attendez une rentrée d'argent. Vous attendez un accord pour un dossier, une promotion. Une confirmation pour votre déménagement, vous voyez, plein de choses, et là, automatiquement, ça va vraiment, il va y avoir du baume au cœur, comme on dit. Ensuite, oui, de toute façon, ça se confirme, avec l'oracle des noms, vous avez eu prospérité. Bon, celui-là, ça brille toujours un peu, hein, vous voyez, avec un beau coffre-fort, un coffre. Hein, donc, il y a vraiment, là, je veux dire, il y a vraiment une avancée qui se prononce. Comme je dis au tout début, il y a vraiment les choses se précisent, les choses se mettent en place. Il y a vraiment comment dire là, il y a comme s'il y avait en même temps un nouveau départ, je veux dire, ou quelque chose où enfin il y a vous êtes plus dans l'attente, vous êtes plus dans la patience. Hein, il y a vraiment les choses vont bouger, les choses se mettent en place parce que entre guillemets une réponse, un événement, une énergie, quelque chose vient de se mettre en place et automatiquement là ça va engendrer du mouvement, de l'action, hein, ça peut être des voyages, ça peut être tout ce que vous voulez, il y a vraiment, là, vous allez vers votre but, comme on dit. Ensuite, avec l'oracle des fées, vous avez eu, faites des recherches. Vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation, étudiez-la en profondeur avant d'agir.
Donc, là, en même temps, je pense qu'il faut que certains et certaines d'entre vous ne mettent pas la charrue avant les bœufs, hein, même si vous êtes dans une disposition où enfin les choses se mettent en place, enfin vous obtenez des réponses, enfin vous avez des actions à mener, mais n'allez pas trop vite. Hein, c'est ça, comme on dit, les béliers et les bélières, ne foncez pas la tête la première. Hein, c'est surtout ça, parce que peut-être qu'il vous manque, il faut peut-être, bon, c'est pas forcément faire des recherches. Certains d'entre vous auront à le faire, hein, avoir plus d'informations, être sûr d'avoir toutes les cartes en main, mais il y a ce côté de n'allez pas trop vite. Hein. Évidemment, c'est peut-être quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui vous paraît tout d'un coup un petit peu surnaturel. Donc, allez-y doucement, chaque chose après chaque chose. Hein. C'est vraiment pas un avertissement, mais vraiment un conseil assez puissant. Hein. Ensuite, avec l'oracle de Gaïa, la forêt de Gaïa, pardon, vous avez eu, bah, décidément, l'arbre de vie interconnexion. Voyez, là, vous êtes vraiment, hein, pour vous, les béliers et les bélières, cette semaine, c'est vraiment une dynamique. Vous êtes vraiment, tout va vous réussir. Bon, alors, je dis pas qu'il y aura peut-être, bon, des petits, je dirais des petits, pas des obstacles, mais bon, il faudra faire face à, bon, bah, quand il faut remplir un formulaire, bon, voilà, bah, faut faire la queue au guichet ou des trucs dans le genre, vous voyez. Mais, là, vous êtes vraiment dans une très bonne énergie, une très bonne dynamique pour cette semaine. En plus, vous allez voir que tout va se, comment dire, tout, comme là, bon, il parle d'interconnexion, vous allez voir qu'en fin de compte, tout va se lier et autour de vous, il va y avoir des changements, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit dans l'entourage, l'environnement, hein, que ce soit au boulot, dans les amis, la famille, automatiquement, ça va faire effet boule de neige, mais dans le bon sens du terme, hein, automatiquement, voilà. Je veux dire, il va y avoir une osmose, une harmonie entre tous les domaines, en plus, hein. Donc, pour le côté sentimental, relationnel, émotionnel, comme d'habitude, avec l'oracle du Sacré-Cœur, première cage. Cage. Première carte, bon, j'espère que ce n'est pas un lapsus révélateur. Première carte, vous avez eu décalage, c'est pour ça que j'ai eu décalage énergétique. Donc voilà, et là, c'est que voilà, au niveau du relationnel, hein, sur le plan purement sentimental, émotionnel, automatiquement, vous allez être dans une dynamique où il y a toute cette euphorie, toute cette harmonie, toute cette osmose. Donc automatiquement, par rapport à d'autres personnes de votre entourage, par rapport à d'autres situations, ils vont pas forcément bien comprendre ou vous n'allez pas être dans la même dynamique. Automatiquement, c'est pour ça qu'il y aura un décalage énergétique parce que vous êtes vraiment dans une énergie positive, hein, puisque ça avance, puisque les choses se précisent, elles se confirment. Donc automatiquement, par rapport à votre entourage, à votre, il y aura des petits décalages par rapport à certaines personnes qui, elles, peuvent être encore réfractaires à certaines choses, encore dans des schémas répétitifs, mais ça, entre guillemets, je dirais que c'est leur problème. Et plus le vôtre. Voilà. Dernière carte, donc, toujours avec le même oracle, vous avez eu projet, réflexion et pensée. Vous voyez, vous êtes vraiment, là, il y a vraiment quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui prend vraiment forme, hein. C'est vraiment, là, c'est vraiment, ça se concrétise, c'est surtout ça, hein. Donc, pour vous, sur le plan relationnel, tout ça, bon, s'il y en a qui hésitaient à se mettre en couple ou je veux dire, faire des démarches plus précises, plus privées avec d'autres personnes ou une autre personne, là, vous allez avoir vraiment, vous êtes vraiment dans le, vous pouvez, bon, si vous voulez vous marier, si vous voulez habiter ensemble, il y a vraiment, ou vous faire quelque chose, vraiment, il y a vraiment ce côté relationnel commun, hein, donc qui va se mettre en place et qui va être en harmonie automatiquement. Donc, même, vous voyez, même sur le plan sentimental, c'est très bon. Et enfin, on termine comme d'habitude avec la carte des réponses angéliques. Donc là, vous faites pause, à moins que vous ayez déjà la question pour ceux qui ont l'habitude. Demandez l'aide des autres. Donc ça, cette carte-là, alors après, tout dépend de votre question, évidemment. Elle rejoint plutôt la petite carte comment dire, que je la retrouve vite fait, bien fait, des fées, hein, des petites fées, là, l'oracle des fées. Hein, c'est vraiment ça, je pense que c'est dans le. Ne restez pas. Pour pas aller trop vite, pour être bien, comme je disais, pour pas mettre la charrue avant les bœufs, n'hésitez pas à demander de l'aide à d'autres personnes extérieures, hein, il n'y a pas de souci. Voilà pour vous, les béliers et les bélières. Namasté.